Le catalyseur, ça a été les événements Charlie contre Charlie. Donc, suite aux événements avec une autre personne, on a rapidement mis en place un rassemblement à Portée. Donc, en deux jours, on a réussi à réunir 500 personnes. Et là, on s'est vraiment rendu compte que les gens avaient besoin de parler, d'échanger, et qu'il n'y avait pas de lieu pour ça à Portée. Mathilde Balti, je suis coprésidente de l'association Initiative Citoyenne et porteur du projet de l'atelier citoyen La Cambuse à Portée-sur-Garonne. Et moi, Pierre-Yves L'Herbier, donc coprésident aussi de l'association, et j'accompagne le projet de La Cambuse aussi depuis un an à peu près. On va proposer des activités pour que chacun y trouve un intérêt et envie d'y venir, y passer un moment, se distraire, passer un moment agréable tout simplement. Mais ensuite, qu'une fois qu'ils sont là, et bien, qu'ils aient envie eux-mêmes de s'approprier le lieu et de créer de nouveaux projets, en fait, proposer de nouvelles idées. Voilà, citoyenne, c'est arrêter de subir des choses avec lesquelles on n'est plus d'accord et se rendre compte qu'il y a possibilité de proposer. Et La Cambuse, ce sera un lieu justement pour ça, pour le citoyen, pour parler ensemble des idées qu'on peut mettre en place. Avec, sachant qu'on aura prochainement sur place, il y a actuellement les jardins pédagogiques avec qui on est en train de réfléchir sur une action, et les jardins familiaux qui vont s'installer et qui auront aussi des toilettes sèches. Donc on va essayer de travailler avec eux là-dessous. On porte des idées, on porte des valeurs, on ne les impose pas. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a quand même des idées qu'on veut transmettre, en fait, qu'on défend, et qui ne sont pas toujours entendues. Donc c'est quand même un poids qu'on porte, et qu'on porte avec nous, mais qu'on aimerait bien transmettre. Enfin, en tout cas, on aimerait qu'il s'allège, dans le sens où si d'autres, d'autres le partageaient avec nous, ça serait un poids plus léger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent le projet super. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que dès qu'on passe aux axes, c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est vrai que c'est un projet... C'est un projet qui est super, parce que enfin, moi j'ai l'impression que je porte ça depuis très longtemps, et enfin je peux le mettre en place. Par contre, c'est difficile parce que c'est pas que facile, quoi. Il faut trouver des sous, En fait, je trouve qu'être porteur de projet, il faut être tout à la fois. Il faut être un bon commercial, un bon communicant, un bon trésorier, il faut être partout. Et on n'a pas... Toutes les compétences... Pour ça. On les a pas toutes. Et donc je trouve que parfois c'est compliqué parce que il faut toucher à tout. Enfin, le Sherpa Valinde, je vois le porteur qui porte un bagage pour l'amener quelque part et pour rendre service à quelqu'un. Mais c'est un lieu où tout le monde pourra venir s'exprimer. Alors je sais pas comment je peux faire le parallèle avec le Sherpa, mais en tout cas, c'est chacun pourra porter ses idées, porter un projet, le proposer, après ça marche, ça marche pas, mais en tout cas, donner la possibilité aux gens de faire avancer les choses et d'avoir une place aussi dans la société. Qu'il y ait le plus de gens qui viennent avec de bonnes idées, avec de nouvelles idées. Et nous proposer des choses auxquelles on ne pense pas, parce que ce serait bien d'avoir de nouvelles propositions. Surprenez-nous. Ouais.
être attentif aussi aux besoins de son entourage, moins d'individualisme peut-être et de plus de partage. Qu'il faut se prendre en main, qu'il faut. Ouais. Et qu'il ne faut pas hésiter en fait à. Ce qui est compliqué quand on a un projet en tant que citoyen, c'est de le concrétiser. Mais parce qu'on est seul, parce qu'on ne sait pas où s'adresser. Mais qu'on peut tous faire quelque chose, même si ce n'est pas des grandes choses, on peut tous essayer de faire quelque chose. Et il ne faut pas se dire que bah voilà, ça c'est une petite idée, bon je ne le fais pas parce que personne ne va regarder. Toutes les idées sont intéressantes et justement, moi j'ai envie de leur dire aux concitoyens, venez à la Cambuse, parlez de vos idées et avec un collectif, on peut essayer de faire des choses. Peut-être que ça ne donnera rien, mais aussi peut-être que ça donnera d'autres idées, ça donnera aussi d'autres idées, qui donneront encore d'autres idées et le tout fera que peut-être qu'il y a des choses qui pourront se faire avec ça. Et le fait aussi de mutualiser en fait ces idées, d'en parler, d'essayer de faire quelque chose. Voilà, chers concitoyens, je vous dis, venez à la Cambuse.